60 secondes, pratique. Voici Expat Nutrition, présenté par Candy. Mélanie, 33 ans, expatriée à Munich. Qui dit été dit barbecue. Peux-tu partager des idées de recettes light et équilibrées? Oui, Mélanie, absolument. Je vais vous donner plein d'idées. Sélectionnez celles qui vous font le plus envie. Soit vous les adoptez toutes pour un barbecue super sain, soit vous en piochez deux ou trois et vous les mixez avec les options de barbecue habituelles pour plus d'équilibre. Vraiment, c'est à vous de choisir. Alors, pour ce qui concerne les protéines, moi, je vous conseille des alternatives plus saines aux chipolata, merguez et hamburger. J'irai plutôt sur des crevettes, du poulpe, des sèches ou tout simplement du poisson, du thon, un bar entier à partager ou bien des maquereaux à griller. Le poulet est également une excellente option. Pour donner à vos protéines le goût de l'été, optez pour une marinade avec des herbes fraîches, du jus de citron, du gingembre, avant de griller vos protéines pour une explosion de saveur. Pour les amateurs de viande, la côte de bœuf reste une bonne option, accompagnée de légumes ou d'une salade composée plutôt que de chips. Je n'oublie pas nos auditeurs vegan, je leur conseille de préparer des brochettes de tofu mariné ou bien des hamburgers à base de pois chiches ou des galettes de quinoa. Pour les flexi-vegan, le halloumi est une bonne option également, pas pour les végétaliens. Ensuite, pour les accompagnements, alors au lieu des salades de pâtes ou de riz, souvent roboratives, pas bien équilibrées, moi je vous propose plutôt une salade de quinoa colorée, simple, rafraîchissante, avec des légumes croquants comme des cubes de concombre, ou des petits pois, des edamame, des tomates cerises. Vous ajoutez un trait d'huile d'olive, des olives, de la feta émiettée, un jus de citron et un maximum de basilic frais pour beaucoup, beaucoup de goût. Une autre salade facile et rapide, haricots verts, cubes de betterave, radis émincés, des graines de potiron, de l'huile d'olive. Ou bien, encore plus simple, des spaghettis de courgettes crues avec des billes de mozzarella, du jus de citron vert, du basilic, de l'huile, sel, poivre. Pensez également aux légumes grillés. Vous les badigeonnez avec un pinceau avec de l'huile d'olive, vous saupoudrez de paprika fumé, vous ajoutez des herbes de Provence, ou du romarin, du thym, les saveurs de l'été, sel, poivre, et vous faites griller vos légumes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Enfin, pour le dessert, il y a des alternatives aux glaces et aux gâteaux. Les salades de fruits exotiques, mangue, fruits de la passion, kiwi, papaye, jus de citron vert, les brochettes de fruits frais, un panier de fruits rouges, ou bien un sorbet fait maison sans sorbetière, ou une glace au yaourt, ce sera également très bien. Et puis pourquoi pas, une belle tranche de pastèque bien mûre, c'est encore plus simple et plus rapide. Voilà pour ce spécial barbecue. Le mois prochain, le podcast est dédié aux apéritifs dînatoires, ne le manquez surtout pas. C'était Expat Nutrition par notre experte Candy. Pour en savoir plus, slimwithcandy.com françaisdanslemonde.fr